Résolu à faire accepter la bonne cause à ses concitoyens, Alexandre Barrault-Chambrier n'a pas compté ses efforts ce samedi en parcourant les routes escarpées de Rinanzala, Dilemba, Bayadi, Pessenyanga, Mongo, Nyumbiti et Louvoy. Patriote a échangé avec ses concitoyens jusqu'à tard la nuit pour les inviter à la mobilisation au moment du vote. Pour lui, le problème du Gabon concerne la gouvernance. Le problème est d'abord un problème économique. Nous avons fait trop de politique. Un problème de redressement économique et social. Et nous savons où nous pouvons trouver les ressources. Le Gabon regorge de ressources. Et nous avons aussi des amis, des partenaires qui peuvent aussi apporter leur contribution, mais sous la supervision des Gabonais, parce que nous avons les compétences et nous pourrons utiliser les compétences d'où qu'elles viennent, parce que nous avons besoin de tout le monde, de rassembler pour faire avancer le pays et trouver des solutions simples. Ce n'est pas compliqué de faire cette route-là, qui doit devenir une priorité. Vous me comprenez? Et nous allons le faire, j'en ai la conviction. La route amputée d'État et tout l'arsenal social de base, manquant cruellement à ses populations, donne à croire que Mongo et ses environs avaient une dette vis-à-vis du régime en place. Excédée par ce décor apocalyptique, la vice-présidente du RPM a indiqué que la solution à portée de main reste pour l'instant le vote. Elle a appelé à adapter la stratégie en fonction de l'adversaire. Profond. Mais nous n'avons pas de solution. La seule solution que nous avons, je sais que vous êtes fatigué. Vous avez dit que vous êtes fatigué de voter. Oui, il faut se fatiguer. Vous ne pouvez pas vous fatiguer de voter parce que c'est la solution qui nous